Coucou tout le monde, comment allez-vous bien? J'ai décidé de faire un vlog, vous avez vu dans le titre et vous êtes sans doute en mode 1. Comment ça, je fais un vlog, une journée dans ma vie, enfin je sais pas comment je vais l'appeler encore, mais ouais en fait je vois ça partout en ce moment sur les chaînes des américaines et des anglaises parce que je n'ai aucune idée originale bien sûr. Je me suis dit ah j'ai trop envie de faire ça et après je me suis dit ah non attends t'es dépressive, you can't. Normalement, aucune de mes journées se ressemble puisque je peux très bien avoir une journée où je suis dans mon lit toute la journée et je me lève juste pour manger et faire pipi à la limite, mais c'est tout. Il y a des journées où je suis la moitié dans mon lit, après je me lève un tout petit coup, je fais un tout petit truc et après c'est fini pour la journée. Et il y a des journées où je suis à fond les ballons, entre gros guillemets, c'est-à-dire que oh là là, je fais deux trucs dans la journée. Je me disais ça va pas être très intéressant, a day in the life of dépressive, mais là je vais être obligée de faire des trucs parce qu'en fait mes parents vont m'abandonner. Oui oui je dénonce. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vis chez mes parents. J'ai 25 ans. Bonsoir. Et là ils vont m'abandonner comme des lâches, comme des chacals. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals. Mais ça faisait deux fois chacal. Et ils vont aller à Paris voir des amis, etc. Et donc je vais être toute seule pendant un jour. Je vais devoir faire des trucs d'adulte au secours, aidez-moi. Et donc je me suis dit je vais filmer le processus parce que ça risque d'être rigolo. C'est parti pour ce petit vlog, A Day in My Life. Et donc du coup cette intro je la filme le jour d'avant. Le jour d'avant l'impact, d'avant le drame. Parce que déjà je viens de prendre mon bain. Donc ça fait un truc de fait. Et on est le soir et demain c'est samedi et demain c'est le jour où il m'abandonne, où je vais être seule. Je me suis dit je vais faire l'intro maintenant parce que demain, enfin juste après vous allez avoir des clips de moi qui me réveille, qui prend mon petit déj avec de la musique et tout, donc fallait que je fasse l'intro avant. Et en attendant mon programme pour la soirée, là je suis devant le feu de cheminée. Comme vous pouvez le constater, le feu rougeoyant ici présent et avec un espèce de petit truc pas très frais là. Il a l'air un peu... Dis, eh oh, toujours vivant? Pipou. Oh bah... Merci de nous rassurer. Et donc je suis avec une serpillière, une petite tasse de thé, mes petites lunettes, mon petit bouquin et mon téléphone qui me distrait grandement, n'est-ce pas? Je mets des vidéos en même temps mais... Voilà, grosse distraction, on va essayer de s'en séparer. Et donc voilà, c'est mon programme pour la soirée. Du coup, je vous retrouve demain pour ma super journée ultra productive où je vais faire au moins plus de deux trucs. Je vais essayer. Voilà. À tout à l'heure dans le tracteur, oui. Saw you paint a picture of a face, a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you've stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. I
Upudate. Non, je ne suis pas en train de pleurer encore. Mais je fais que de bâiller. Et donc je me suis dit, là je vais m'endormir, ça va pas. Donc il est 13h51. Je me suis dit que j'allais me bouger les fesses parce que sinon je vais me rendormir. C'est sûr et certain, parce que là j'ai mal à la tête. J'ai envie de dormir, je fais que de bâiller. En général, quand ça fait ça, je vais me recoucher et je redors. Sauf qu'après, si je dors cet après-midi, déjà que je me suis réveillée à 11h, je vais pas dormir cette nuit. Donc bref, voilà, une journée avec moi, c'est à peu près ça. Voilà, voilà, et donc du coup, je vais aller m'habiller. Un calvaire. Je suis obligée d'enlever mon pyjama. Et je vais aller m'habiller, je vais aller... pas dormir, pas dormir. Je vais aller promener le petit chien. Sauf que je crois que je suis pas sortie de chez moi toute seule depuis... Je saurais même pas vous dire parce que je crois que c'est jamais arrivé. Ah si, la dernière fois, c'est quand mes parents m'ont abandonnée aussi. Je sais plus où ils étaient d'ailleurs et j'avais fait un vlog et je m'en souviens, il y avait de la neige. Ah oui, je m'en souviens très bien. Et il y avait du verglas et on était en train de glisser dans la neige avec Achille, je m'en souviens. Mais c'était il y a longtemps en tout cas, c'était quand il y avait de la neige l'année dernière, donc ça fait il y a un an quoi. JPP. Quand je vous dis que je sors pas, ou en tout cas pas toute seule, c'est même pas des blagues. Et là je suis stressée parce que j'ai peur. Imaginez, je croise des gens et je dois dire bonjour. Une épreuve. Mais donc voilà, petit programme pour la journée. Déjà de ce matin je me suis levée, c'est déjà bien. Normalement je me lève plus tôt, en ce moment je me levais à 8-9h et là je me suis réveillée à 11h. C'est parce que hier soir j'ai stressé, parce que je savais que mes parents y partaient, donc du coup j'ai pas trop dormi. Donc déjà réveillée à 11h c'est déjà bien. Ensuite j'ai vu mes parents partir, j'ai déjeuné et j'ai lu. Oui parce qu'en ce moment je lis, c'est incroyable, c'est pour ça que je fais des vlogs et tout parce que je suis en mode oh là là je lis, truc de fou. Donc je suis en train de lire et j'en suis arrivée à là, j'ai bientôt fini. Oui bah je sais on va se promener mais attends, je fais un Upudate et après on va se promener. Et donc voilà j'ai bientôt fini, je suis à fond les ballons. Mais si jamais vous voulez que je vous parle de ce livre et de cette saga, je suis en train de filmer un autre vlog en même temps. Mais dans mon autre vlog j'en parle, mais en tout cas voilà c'est le tome 2 des voleurs de fumée qui est une saga fantasy young adulte. Et normalement j'aime pas trop la high fantasy à la Game of Thrones parce que là clairement c'est ça. Mais c'est ça mais en young adulte écrit par une femme avec de la romance, avec de l'humour, avec des péripéties et genre c'est trop bien. Je suis à fond les ballons, regardez. Tous mes post-it pour un coup c'est pas des post-it de trucs que j'ai pas aimé, c'est tous des trucs que j'aime. Je suis vraiment à fond, c'est trop bien, je trouve que c'est trop bien écrit et trop bien fait. Donc voilà j'en suis au tome 2 et je ne peux pas m'arrêter, la preuve je lisais ce matin, non mais pff, truc de fou. Et là j'ai juste envie de continuer mais je me suis dit non faut que tu sortes. Et aussi faut que je commence le montage d'un vlog parce que c'est pas le tout mais j'aimerais bien poster une vidéo demain quand même. Donc on va faire ça, on va aller se promener, on va faire du montage et ce soir il y a le live avec les copains. Je leur ai proposé de faire un live parce que je suis toute seule pour une fois dans ma vie et donc je me suis dit je vais pouvoir faire un live tranquille. Et donc il y aura Mika, il y aura Iman et peut-être Lola, mais Lola elle a un dîner donc elle peut peut-être pas venir, peut-être elle viendra le soir si on est encore en live etc. Mais donc voilà, on fera un petit live, peut-être je vais les forcer à lire parce que je suis tellement à fond dans mon cirque là que je leur ai dit venez on fait des reading sprints, genre on lit pendant une demi-heure et machin et en fait on va causer pendant 40 000 ans, on va jamais lire. Mais je suis tellement à fond dans la lecture que peut-être je vais les forcer à lire un peu. Allez c'est parti mon kiki. Achille tu viens? On va se promener? Tu y es? Ah tu bailles aussi, mais oui je t'ai dit, il faut qu'on sorte là. On va se promener? Tu y es? Oui. Allez viens, on va se promener. Mais oui. Thank you.
Voilà, on est sorti. L'épreuve de la journée est faite. J'ai dû dire bonjour à un voisin. La promenade est faite et le courrier est récupéré. Alors, c'est qui? La Martinière, et ça c'est qui? Ça vient d'Angleterre. Il y a le petit timbre de la reine d'Angleterre. C'est la reine d'Angleterre qui m'écrit. C'est les petits goodies Patreon de Jade. Je me suis inscrite à son Patreon. C'est une anglaise de la chaîne Jade Ray Reads, voilà, que je regarde en ce moment en boucle. Et je me suis inscrite à son Patreon. Et en fait, je me suis inscrite au niveau où on peut recevoir des trucs. Bah, comme le mien, Patreon d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'est-à-dire qu'à partir du niveau Achille pour moi, donc à partir du niveau à 6€, vous pouvez recevoir le marque-page. Avec ça dessus, vous voyez, il y a petit Achille des deux côtés et Nina Quill au milieu. Donc voilà, je l'ai pas sur moi là, le marque-page. Mais donc, si vous vous inscrivez à mon Patreon aussi, j'envoie des petits trucs. Et donc, Jade, elle envoie un petit sticker avec son gecko. En fait, elle a un gecko. Je sais pas comment ça... Je sais pas si c'est un lézard ou un gecko. Mais en fait, elle a un petit lézard comme ça qui s'appelle Maurice. Et elle l'a dessiné. Elle nous envoie un petit sticker Maurice. Et un petit marque-page qu'elle a fait elle-même. Et vraiment, il est trop beau. Et il lui correspond bien parce que sa couleur préférée, c'est le orange. Et donc... il est trop mimes. Et donc voilà, elle nous dit welcome to the Patreon gang. Leo Morris face. He's your badge of honor. Voilà, donc le petit, la petite tête de Maurice, c'est mon badge d'honneur de du Patreon de Jade. Elle met le petit mot avec. C'est trop mimes. C'est trop mimes. Et donc voilà, c'est pour ça que ça venait d'Angleterre. Et donc ici, on a un petit service presse de la Martinière. Mais il me semblait avoir tout reçu de la Martinière, non? Ah, peut-être que c'est le tome 2 du tome 1. Parce qu'il y a un truc, j'ai eu le tome 1 et pas le tome 2. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Non, sinon j'ai tout reçu, je crois. Oui, c'est le tome 2 du tome 1. Ah, ça va bien en plus avec la lettre de Jade. Parce qu'en fait, si vous connaissez pas Jade, elle est spécialisée dans le middle grade, donc c'est-à-dire dans le jeunesse, dans les romans jeunesse. Elle adore en lire et c'est notamment elle et toute sa bande de copains qui me donnent envie de lire du jeunesse. Et donc, voici du jeunesse. C'est le tome 2, j'avais demandé le tome 1 aussi qui m'avait envoyé et donc c'est le tome 2. Le tome 1 s'appelle Une pincée de magie, je crois. Et le tome 2 s'appelle Un soupçon de sorcellerie, voilà, de Michelle Harrison. Et donc c'est une petite saga jeunesse comme ça, un petit peu witchy, vous voyez. C'est illustré, mais c'est magnifique. J'aime trop ces illustrations là, c'est tout doré. Mais c'est tellement beau. C'est magnifique. Et est-ce qu'il est illustré à l'intérieur? Non, il n'est pas illustré à l'intérieur. C'est l'histoire de trois jeunes sœurs qui s'appellent Betty, Charlie et Fliss. Et en fait, je crois que dans le tome 1, elles sont jamais vraiment sorties de leur village, etc. Et en fait, il y a une des sœurs, le soir d'Halloween, qui va sortir du village et qui va vivre une aventure un petit peu spectaculaire. Et donc ici, apparemment, il y en a une des trois qui va se faire enlever. Elles vont repartir dans une autre aventure magique. Et donc voilà, c'est un petit jeunesse. J'ai trop hâte. Et ça va trop bien avec ma petite lettre de Jade. Parce qu'elle adore le jeunesse. Donc trop contente. Voilà. Sur ce, je vais travailler. Au fait, il faut que je monte ma vidéo, moi. C'est pas le tout, mais... Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais refaire mon vernis parce qu'il est insupportable. Et le temps que ça sèche, je vais monter ma vidéo. Parce que quand je monte ma vidéo, j'ai juste à cliquer sur deux boutons, etc. Et donc, ça va laisser le temps à mon vernis de sécher. Il faut réfléchir à tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à un moment, il faudra peut-être que je me nourrisse aussi. Bref, on verra. Bref, à tout à l'heure dans le tracteur. This bitch is on fire. Coucou.
comment allez-vous? Moi ça va pas très bien, comme vous pouvez le constater. Il est 17h. Vous voyez rien. 17h, vous voyez rien. En plus avec mon fond d'écran, vous voyez rien. 17h36. Bref. Vous avez vu mon fond d'écran? Si vous voulez le même fond d'écran, inscrivez-vous à mon Patreon. Non mais je l'ai mis sur mon Patreon pour les patrons, du coup il y a trop de lumière. Et donc bonsoir, 17h, combien? Oui, 36, 37. Et je crois que j'ai commencé, je crois que je vais dire des bêtises, parce qu'avec Achille on est sorti, il était 14-15h, je sais pas, et je sais pas à quelle heure j'ai commencé à faire le montage. Peut-être à 15h, 15h30, 15, 16, 17, ouais ça fait 2h que je fais du montage. Mais j'ai l'impression que ça fait 107 ans, parce qu'il fait nuit dehors. Donc j'ai dû allumer ma lumière. Et en plus je commence à avoir faim parce que tout ce que j'ai mangé c'est le petit déj de ce matin à 11h. Je vais aller me faire un repas très healthy, très bon pour la santé. Et bien sûr ce repas est fait par des cascadeurs professionnels et à ne pas reproduire à la maison, bien sûr. Hein, c'est dangereux. Je vais me faire des mac and cheese parce qu'à force de regarder les américaines elles mangent n'importe quoi. Au moins en France on a de la nourriture qui est à peu près bien, mais non, je veux manger comme les américaines. Et donc je vais me faire des mac and cheese, c'est-à-dire des macaroni and cheese, donc macaroni au fromage, sauf que je vais pas faire des macaronis parce qu'aussi les américains ne savent pas le nom des pâtes aussi, parce que à chaque fois elles disent des mac and cheese et en fait c'est des coquillettes, c'est pas des macaronis. Donc des coquillettes c'est pas des macaronis, bref, elles font des coquillettes avec du fromage et c'est tout. Littéralement, je crois qu'ils rajoutent de la crème ou je sais pas quoi, mais bon c'est bon. Déjà qu'on est intolérante au lactose, on va se contenter du fromage. Et donc je vais faire ça, je vais faire des coquillettes avec du fromage. Je vais me faire un petit pain bretzel, ça s'appelle une morissette chez nous, enfin en Alsace. Mais je crois que ça vient d'Alsace, bref. Ça s'appelle une morissette, c'est un petit pain bretzel avec dedans du salami et du beurre. Je suis en train de penser... à la manière dont c'est bon pour la santé là, tout ça là. Mais je mange que ça une fois par jour, après c'est fini. Enfin je dis ça mais après il y aura le live avec les copains et je vais ramener mes meilleurs Kinder Country, bref. Et ici c'est pas une chaîne cooking, c'est une chaîne de Port Nawak et donc voilà, si vous voulez manger la même chose que moi, don't do it, vous allez avoir du cholestérol. Voilà, je vais me faire de la très bonne mangeaille, voilà. Très bonne pour la santé et je vais regarder une vidéo en même temps parce que je ne fais rien sans regarder une vidéo en même temps parce que sinon je ne fais rien. Je n'ai pas de motivation que là je me dis ah tu vas regarder une vidéo en même temps et donc j'ai envie de regarder la vidéo et donc j'ai envie de faire à manger et donc que imaginez je dois faire à manger sans rien avec personne dans la maison à parler à personne à rien. Non, faut que je regarde une vidéo. C'est avant j'écoutais de la musique quand j'étais plus jeune. Parce que c'était il y a longtemps, j'étais jeune il y a longtemps. Et j'écoutais de la musique en faisant plusieurs trucs parce qu'en fait je suis dépressive et donc je ne peux pas faire quelque chose sans avoir une motivation derrière. Avant c'était la musique, des fois j'essayais de lire en même temps. Je m'en souviens au collège j'essayais de lire et je m'en souviens me préparer à manger, je me préparais des pâtes encore et toujours. Et j'essayais de lire mon livre à côté mais c'était hyper compliqué et les livres audio ça n'existait pas encore. Faudrait vraiment que j'ai dit que cette année je me mettais au livre audio mais je l'ai toujours pas fait. J'arrive pas. Il faut que je m'y mette parce que je vous dis, je fais toujours des trucs en écoutant quelque chose. Donc bref. Et là en ce moment c'est les vidéos. Donc let's go, on va faire ça, on va faire à manger. Et on va voir comment on va Achille. Parce que là je suis en haut dans ma chambre, dans mon bureau. Dans ma chambre. Et Achille il est en train de sécher devant la cheminée en bas. Et je pense qu'il a pas bougé mais on va voir comment il va. On sait jamais. Peut-être qu'il s'est transformé en papillon. Je sais pas, vous avez vu, j'ai fait mes ongles. Ils sont très mal faits donc je les monte de loin. Alain de loin. Bref, allez c'est parti, on va faire manger. Oui. Thank you.
Ah, bonsoir à ma lumière de cuisine. Bah, je sais. Mais enfin, c'est bon quoi. Je suis en train de préparer mon thé. Parce que j'étais en train de faire encore du montage. Parce qu'en fait, je voudrais sortir mon vlog demain. On est demain dimanche. Et il n'est pas encore monté. Un plaisir. Et donc, j'étais en train de faire du montage. Dites donc, monsieur! Le live va bientôt avoir lieu. Il est 19h40. C'est à 20h le live avec les copains. Et donc, je vais aller préparer, mettre le live en route. On va discuter. Et Achille, il est vraiment très très énervé. Je vais l'emmener avec moi. Voilà, et je vais faire mon thé. Et let's go pour le live! Oui! Bien sûr, je renverse mon thé juste avant le live, bien sûr. J'en ai plein le pantalon. J'ai spill de thé sur mon pantalon. On filme pour le vlog. Vous savez que je suis en train de faire un vlog une journée dans ma vie. C'est passionnant, je ne fais rien. Mais au moins, là, je suis en live, donc c'est déjà ça. On est prêt. J'ai renversé mon thé sur mon pantalon. Vous pourrez voir dans le vlog comme ça. Voilà, donc j'ai du thé plein le pantalon, c'est bon, on a spill de tea, on est prêt. Ceci est la fin du vlog. Si vous voyez un truc un peu clignotant sur ma tête, c'est le feu. Je viens de rallumer le feu. Mais donc voilà, on a fini le live avec les copains. C'était n'importe quoi. J'ai vraiment cru que j'allais les faire lire. Je leur ai dit, les gars, on lit. Ils ont fait, non mais ça va pas, non. Du coup, c'était pas séance lecture. C'était vraiment live zinzin n'importe quoi. C'était trop drôle. J'ai mal aux zygomatiques là. J'ai mal, j'ai trop rigolé. J'ai mal à la tête aussi parce que j'ai trop rigolé. Si vous voulez voir le live en replay, il sera disponible. Et donc voilà pour ma journée. Sinon Achille, il est dans son petit dodo. Là, il est allé sur son petit coussin parce que je l'avais pris avec moi pour le live. Et puis il est allé dans son dodo dans ma chambre et il ronflait très 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 fort. Je l'ai dérangé pour le remettre en bas parce que normalement il dort en bas. Et là, il est allé sur son dodo de d'habitude et il est en train d'essayer de dormir et je le dérange encore. Pardon, Bibou. Pardon, je te dérange dans ton sommeil. Il est trop fatigué. Oui, je vais te laisser dormir, mon pauvre Bibou. Oh, il est revenu vers moi. Mais t'es trop mims. T'es le plus mims. Oui, parce que t'as dormi toute la journée aussi. Donc, bon. Mais donc voilà, et moi, mon programme pour le reste de la soirée, c'est refaire le feu. Enfin, le reste de la soirée, il est 1h du matin. Bon, on va se calmer. C'est dormir, oui. Je crois que je vais continuer les voleurs de fumée parce que je suis à fond. Je pense que je vais lire un petit coup en regardant une vidéo. Franchement, je pense que je vais tenir 20 minutes le temps que le feu reparte et tout. Et après, je vais dormir. Donc voilà, j'espère que cette journée avec moi vous aura plu. Je sais, je fais rien de mes journées, mais là, pour moi, c'était beaucoup. Genre, tout ce que j'ai fait, c'était beaucoup, beaucoup. Là, je suis épuisée, j'ai fait beaucoup de choses. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. J'en referai peut-être l'année prochaine quand mes parents repartiront. Et du coup, si vous n'avez pas trop d'idées de quoi mettre comme commentaire sous la vidéo, mais que vous voulez quand même me soutenir en mettant un petit commentaire, mettez un petit emoji flamme, parce que je suis devant le feu. Littéralement, j'ai plus beaucoup d'idées à ce moment-là. On dirait que j'ai les pires cernes. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai vraiment pleuré de rire. Et en plus, le feu est très orange, et donc du coup, ça fait ressortir mes cernes. Mais donc, mettez l'emoji flamme. L'emoji flamencucheux dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!